Match retour préliminaire des Coupes africaines. Le Rai Club du Kadiobo est à Brazzaville pour confirmer sa forme au match, du match aller au stade du 4 août face au Diable Noir. Pendant ce temps, sur les bords de la lagune ébriée, l'AS Sonabel œuvre pour créer la surprise face au Sporting Club de Gagnoa. Les nouvelles de nos représentants avec nos envoyés spéciaux à Brazzaville et à Abidjan dans le championnat national de football de première division. Le RCB souffle le chaud et le froid depuis 4 journées. Les Tigres ont été défaits par les académiciens du Raimo FC qui se remettent de belle manière de leur défaite face à l'USFA. Bonne opération aussi pour l'AS Police. Focus sur ce tour d'horizon des stades pour les matchs de la 12e journée de la D1 jouée mercredi dernier dans ce magazine de la CAN 2017. On en parle encore. Le ministère des Sports et des Loisirs a présenté le bilan de la participation du Burkina à la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football. Un bilan qui se décline essentiellement en rapport moral et financier. Et l'on retiendra que plus de 2,5 milliards ont été mobilisés pour faire face aux dépenses. Restez avec nous pour plus de détails dans quelques instants. Deuxième et dernier rendez-vous de votre magazine d'espoir sur la RTB. Bonsoir et merci de nous suivre. On ouvre ce magazine avec le Faso Foot D1 qui a disputé une partie de sa 11e journée ce mercredi. Et décidément, rien ne va au BPS en déplacement au stade du 4 août de Ouagadougou. Le BPS est tombé face à l'ASFA Yenega sur le score d'un but à 0. Un résultat qui permet à l'ASFA de signer sa 2e victoire de la saison. 3e défaite de rang pour le BPS qui en totalise 7 en 10 matchs joués. La série noire prend l'allure d'une crise. Mahamadi Wena et Mathias Drabo. ASFA Yenga BPS, deux équipes mal en point. Et comme il fallait s'y attendre, le 13e et le dernier au classement n'ont pas produit un spectacle digne de la première division. Ça, c'est la plaie de notre football. Je pense que c'est de la concentration. Aussi la technique de la tenue du ballon, parce que vous voyez, les occasions que vous avez vues, soit le contrôle sont longs, soit on apprécie la vitesse du ballon, et soit on choisit mal la surface du pied. Et nous ne sommes plus dans une phase d'apprentissage, ce n'est pas le bas niveau, ce n'est pas des écoles de formation, non, non. On sous-entend que ces gens ont traversé ces étapes d'apprentissage. Nous sommes dans une phase de perfectionnement, et il va falloir que la technique individuelle du joueur permettre d'asseoir un collectif pour une équipe. La qualité technique individuelle des joueurs est en cause et cela se ressent dès les premières minutes de la partie. Le jeu est décousu avec des approximations de part et d'autre. Toutefois, l'ASFA Yenga est légèrement au-dessus dans le jeu. Et sur cette action, Gafarou Zakari met la balle au fond des filets. De Abdoul Mounir se remet à la 31e minute. Ce but n'emballe pas pour autant le match. Dans les arrêts de jeu de la première période, le BPS rate une grosse opportunité de retourner au vestiaire avec un score d'un but partout. C'est tant mieux pour les jaunes et verts qui laissent l'initiative du jeu au rouge et bleu en seconde période. Le BPS se met à maintes reprises en situation de scorer, mais les attaquants ratent soit le cadre, soit ils butent sur Adama Sawadogo. À ce jeu, c'est l'ASFA Yenga qui se procure la balle du 2-0 à la 82e minute. Heureusement pour le BPS que son gardien de but, Abdoul Mounir Zoroumé, sort un grand arrêt. C'est pas vrai. Koudougou, on a trouvé une bonne équipe de Koudougou en place. Ils ont aussi joué les jeux. Dans le football, il y a les temps forts, puis il y a les temps faibles. Mais je pense que l'important maintenant, c'est qu'on a eu les 3 points. Et on va continuer à travailler toujours à l'entraînement pour gommer certaines erreurs. C'est tout l'opposé du BPS qui s'enfonce dans la crise avec le limogeage de son entraîneur. Ils sont venus dire leur dernier match à Kouach, les dirigeants. Et s'ils ne gagnent pas ces matchs, il va falloir qu'ils laissent le groupe. Bon, à notre côté, bon, nous on voit que ce n'est pas un problème de coaching. Tout ça, c'est un problème des joueurs aussi et pour les bureaux aussi. Sans président et maintenant sans entraîneur, le BPS dernier au classement avec 3 points vit sa pire entame de saison depuis son retour dans l'élite.
La trêve aura fait du bien à l'AS Police. Mathias Drabo et Rachid Sawadogo ont pu voir des policiers conquérants en deuxième opposition au stade du 4 août de Ouagadougou face au Santos FC. Avec de la combativité et beaucoup de chance, l'AS Police a administré une paire de gifles au Santos FC qui aligne une troisième défaite pour la deuxième fois dans la saison. Le reportage porte la voix de Mahamadi Wena. L'AS Police peut dire merci à Mustapha Doubaré, le gardien du Santos FC, pour ses offrandes. Deux véritables bourdes qui donnent le sourire aux policiers à cette 11e journée du championnat national de football de première division. Une rencontre qui a pourtant débuté avec un Santos FC qui monte de l'envie dans le jeu. Ami Diabagaté à la 3e minute, puis Ali Sayogo à la 7e minute font bonne impression dans la surface des réparations policières. Les garçons d'Antoine Ilboudo sont très engagés, mais c'est sans compter avec leur dernier rempart. À la 11e minute, suite à une contre-attaque suivie d'une mauvaise combinaison défensive, le portier Mustapha Doubaré manque de précision. Romoué Boni en profite pour donner l'avantage aux policiers. AS Police 1, Santos 0. 1-0, c'est aussi le score à la pause. En seconde période, Antoine Ilboudo, l'entraîneur du Santos, lance toutes ses forces dans la bataille en emportant du 109 dès la reprise. Mais à la 60e minute, Mustapha Doubaré s'illustre à nouveau. D'une faute de main, il complète le score à 2-0 pour l'AS Police. Un score que les policiers vont sécuriser jusqu'au coup de sifflet final. Cette deuxième victoire de suite après la trêve soigne le rang de l'AS Police en attendant les prochaines sorties du club de la police. Ça piétine pour l'étoile filante de Ouagadougou depuis deux journées. Les stélistes ont été accrochés sur le terrain du lycée Vive le Paysan de Saponé par Majestic. Un but partout. Daouda Ouattara, Alain Didier Compaoré et Jean-Modeste Ouédraogo nous résument les temps forts de cette confrontation. Match nul au goût amer pour l'étoile filante de Ouagadougou, région au score à une minute du coup de sifflet final. Dans ce match face au Majestic, à Saponé, l'enjeu est de taille. Majestic sort de deux matchs nuls et a à cœur d'honorer son public. Les Faux ambitionnent toujours de jouer le haut du tableau. Conséquence, à la 8e minute, Narcisse Bambara donne le ton sur ce centre. Deux minutes plus tard, le coup franc d'Assamat Sawadogo atterrit directement dans les gants de Emezongo. La rencontre se durcit. Ici, le centre Doucement Convolvo ne trouve pas preneur. S'il y a un joueur qui donne des sueurs froides à la défense d'Estelis, c'est sans doute Assamat Sawadogo. Sur cette frappe, la balle passe juste au-dessus de la barre du portier de l'Efo. La mi-temps intervient sur le score nul et vierge de 0 à 0. À la reprise, soit à la 49e minute, le tir flottant de Ben Daoudani Kiema manque de peu de tromper le portier bleu et blanc. Le tournant du match intervient à la 53e minute. Sur un coup franc de Convolvo, Blaise Amiogo reprend de la tête et loge la balle au fond des filets. Dès lors, Majestic se réorganise afin de revenir au score. L'étoile filante de Ouagadougou, elle, tente le tout pour le tout, pour qu'à défaut d'aggraver le score, elle puisse conserver son acquis. Alors que le match s'acheminait tranquillement vers une victoire Stélis, la persévérance des magiciens finit par payer. Sur un mauvais renvoi de la défense de l'Efo, le ballon revient à Moussa Rabo et d'une bicyclette tue les espoirs de Emezongo et sa défense qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Majestic 1, Efo 1. Néanmoins, les bleus et blancs trouvent de la ressource pour scorer dans le temps additionnel. Un but refusé par l'arbitre pour position avancée. L'entraîneur Bourema Kabore fait tout de même bon cœur contre mauvaise fortune. On a mal géré les 5 dernières minutes, on a pris un but quand même sur une chose qu'on pouvait gérer, et malheureusement ça s'est mal passé pour nous. Bon, c'est le football, on a géré le match jusqu'à la fin, mais malheureusement il fallait marquer le deuxième but pour être à l'abri. Mais c'est ça le football, mes garçons se sont bien débrouillés. C'est le deuxième but qui n'est pas venu pour nous mettre à l'abri, c'est tout ce qui n'a pas marché. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire et on va retourner travailler. Si je regarde l'entame du match de ce soir, vraiment on méritait plus que le match nul. Et c'est au moment où on a tapé là-bas à travers ça, deux minutes après qu'un corner vient et les faux marques.
Et on va continuer aussi dans ce sens parce qu'on a, un match difficile à jouer les Dimash. Je peux dire que c'est un concurrent direct. C'est à nous d'aménager les jeunes qui sont blessés parce qu'on a perdu notre milieu défensif. Aujourd'hui, encore un jeune joueur mélangé pour pouvoir contrer aussi le Santos les Dimash. Avec ce match nul, les deux équipes, les Faux et le Majestic, se classent respectivement 10e et 11e à l'issue de la 11e journée. Soit 14 points plus 1 pour les Faux et 11 points moins 4 pour le Majestic. À Bobo Dioulasso, Raimo FC s'est remis de sa défaite en dominant le Racing Club de Bobo. 2-0. On retrouve notre correspondant sur place, Jonas Apollinaire Kabore. 10 journées de compétition ont suffi aux académiciens de Bama de se forger un mental de conquérant et d'aller à l'assaut du RCB, un des favoris de cette course pour le titre 2017. Mercredi au Sadobi, le Raimo FC, évoluant en jaune et rouge, a fait une belle démonstration de son savoir-faire, laissant ainsi apparaître son ambition de jouer les premiers rôles dans ce championnat. Et tant pis pour le RCB qui s'est retrouvé sur le chemin d'une jeune équipe qui voulait tout simplement se faire plaisir en cette 10e journée. Et ce fut une soirée cauchemardesque pour les Noirs et Blancs. C'est une défaite difficile à digérer. Mais c'est le football, il faut se remettre au travail. Et j'espère que c'est les joueurs, c'est nous les entraîneurs, que chacun puisse tirer les leçons. Et que vraiment cette défaite, vraiment, chacun puisse l'analyser à sa manière. Mais pour moi, en tant qu'entraîneur, vraiment, je suis déçu de leur performance ce soir. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est avec un enthousiasme presque débordant que les pensionnaires du centre de formation de Bama vont entamer la partie. Très vite, ils se ruèrent sur le ballon, empêchant ainsi le RCB d'imposer son rythme en ce début de première mi-temps. Au fil des minutes, les académiciens prennent davantage confiance et finissent par se convaincre que cet adversaire du jour n'était en réalité qu'un tigre en papier. Ils passent alors à la vitesse supérieure et les voilà récompensés de leurs efforts à la 30e minute sur cette splendide réalisation signée Franck Traoré. Visiblement à court d'arguments, le Racing Club de Bobo Dioulasso tente de s'organiser sans jamais parvenir à inquiéter le portier Soufiane Ouédraogo. Score à la pause, 1 pour le Raimo FC et 0 pour le RCB. Dès le retour des vestiaires, les Tigres de Diaradougou seront cette fois cueillis à froid. Maudi Traoré à la 47e minute, double la mise pour le Raimo FC. Joueurs et supporters des Noirs et Blancs n'en croyaient pas leurs yeux. C'est pourtant la réalité sur le terrain. À 2-0, les carottes étaient déjà presque cuites pour le Racing, une équipe qui connaît ces derniers temps une baisse de régime. Raimo FC n'avait plus qu'à gérer son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Ce qu'il réussira sans difficulté, au grand bonheur de son entraîneur qui avait visiblement de la peine à cacher sa satisfaction. On voulait gagner coûte coûte. Nous, on dit toujours, nous respectons tous nos adversaires. Nous allons toujours produire notre football. Nous avons respecté l'adversaire. Nous avons fait notre football et nous avons gagné ce soir. COSAF n'a plus enregistré de victoire depuis la 3e journée. L'AGEB et COSAF se sont quittés 2-2, 0-0. Il y a Dembo Tamboura pour les détails de ce match. Ce soir, l'AGEB en bleu entame le match pied au plancher. Dès la 30e seconde, les jeunes espoirs de Bobo ratent de peu d'ouvrir le score sur deux tentatives de suite. D'abord, Ismaël Karambiri, puis Mbia Kamara. En face, il y a du répondant. Et à la 8e minute, Kassoum Doumbia envoie malheureusement sa balle dans le décor. L'attaquant de COSAF revient à la charge quelques instants plus tard. Cette fois-ci, c'est le portier Boubacar Konaté qui s'interpose. En cette première période, le COSAF est plus entreprenant et maîtrise son sujet. Dès la reprise, l'entraîneur de l'AGEB, Souleymane Ki, procède à deux changements d'affilée, ce qui a pour mérite d'équilibrer le jeu. Mais les occasions de but se font rares. La seule franche est à l'actif du COSAF. Mohamed Prince Ouédraogo, entré en lieu et place de Kassoum Doumbia, manque à son tour d'ouvrir le score. Sur cette autre occasion, c'est le montant droit du portier de l'AGEB qui sauve les siens. Score final, 0 but partout.
Il faut reconnaître qu'en première période, on a été inexistant sur le terrain. C'est Kozav qui a contrôlé le jeu de bout en bout. Moi, je pense, et c'est au niveau de la finition qu'on a pêché beaucoup. Mais c'est de continuer à travailler et à mieux travailler. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a une question de coaching, de communication. Si vous avez remarqué, dans les arrêts, il y a une balle qui vient. Il suffit seulement de communiquer et puis c'était le but. Chaque match, on a au moins au minimum 2-3 occasions. On n'arrive pas à mettre au fond. Bon, on pense que dans les jours à venir, ça va venir. On est venu en tout cas chercher une victoire. En défaut de la victoire, on a eu le match nul. On est au bas du tableau. Donc, on serre les dents pour ne pas perdre. Ajeb Kozaf n'a pas de nègre à monde au stade Abouaka Sangoulé Lamizana. L'opposition, Raimo FC, RCB, au même moment, au stade Wobi, en est sans doute la raison. L'USO est allé s'imposer 1-0 à Banfora face à l'USCO. Le classement sous réserve d'homologation de la Ligue de football professionnel donne le RCK toujours en tête avec 21 points plus 9 et 2 matchs en retard. L'ASFB aussi conserve sa deuxième place avec 18 points plus 6 et 2 matchs en retard. Les Tigres du RCB sont troisième avec 18 points plus 3. Quatrième, Ajeb, 14 points plus 6. Cinquième, l'USO avec 16 points plus 4 et un match à jouer. L'AS Police remonte à la sixième place avec 15 points plus 2 plus un match en retard. L'USFA est septième avec 14 points plus 3 et 2 matchs en retard. Remontée aussi pour Raimo FC, septième ex aequo avec 14 points plus 3 et un match en moins. Avec 14 points plus 2, l'AS Sonabel est 9e et 2 matchs à jouer. L'EFO chute à la 10e place avec 14 points plus 1 et moins 1 match. Majestic s'éloigne de la zone rouge, 11e avec 12 points moins 4. L'USCO et l'ASFA se partagent la 12e place avec 12 points moins 4 et un match à jouer pour l'ASFA Yenega. Aux abords de la zone rouge, 14e Kozaf, 8 points moins 6 et un match à jouer dans la tourmente. Le Santos FC piétine au 15e rang avec 5 points moins 9 et un match en retard. Le BPS s'enfonce avec 3 points moins 12 et un match en retard. Dans l'antichambre de la D1, la lutte est rude. Au stade municipal de Waïguia, le choc de la poule B entre Falem et Luzi s'est soldé par un match nul d'un but partout. C'était pour le compte de la 11e journée qui s'est jouée mercredi dernier. Suivez ce commentaire sur les images de Souleymane Sanou. C'est une opposition entre un club historique, l'Union sportive du Yatenga Uzi, et un club de 2 ans d'âge, le Football Academy du lendemain meilleur, Falem. L'Uzi, c'est notre grand frère à tous. J'ai été entraîneur de l'Uzi. L'Uzi nous a produit. J'ai joué à l'Uzi, j'ai entraîné l'Uzi. L'Uzi, c'est un grand club. C'est le patron de tous les clubs du Nord. L'écart d'âge ne présageait pourtant pas d'un déséquilibre dans cette confrontation. Les deux formations étant à égalité de 18 points dans le classement de la D2 zone B et presque à égalité de supporters dans les tribunes. Les Bleus de Falem prennent l'initiative du jeu, mais manquent de mordant dans la zone de vérité de l'adversaire. L'orage passé, l'Uzi se lance à l'assaut du camp de Falem et la sanction ne tarde pas à tomber. Sur ce coup franc très excentré, Stéphane Bayala, monté aux avant-postes, parvient à traverser la défense pour atteindre la tête de Sidi pour l'ouverture du score. Falem revient à la charge, histoire de rétablir la parité au score avant la pause. La défense unioniste observe les Bleus dans leur petit jeu. Mohamed Ouedraogo prend l'initiative de pénétrer la surface de réparation. Il sert Rachid Dayon qui reprend au fond du filet. Falem 1, Uzi 0. C'est sur ce score que unionistes et académiciens regagnent les vestiaires pour la pause. Armand Bassolé et Aruna Bologo réorganisent leur effectif pour faire la différence. On entame la seconde période avec surtout des errements dans la défense de l'Uzi. L'entrée de Yanta Souleymane sur le côté gauche apporte de la tonicité à l'attaque blanche, mais aucun attaquant ne pourra encore faire valoir ses qualités de buteur et l'arbitre renvoie les protagonistes dos à dos, un but partout. Un point bon à prendre pour Aruna Bologo qui reste dans son objectif de la saison. Armand Bassolé et l'Uzi, eux, perdent deux précieux points dans la course au retour dans l'élite. Le chemin est encore long, je pense que l'objectif cette année c'est la montée.
ou rien. Bon, je pense que nous allons mettre le boucher double vraiment pour mettre toutes les chances de notre côté et pouvoir monter et atteindre nos objectifs. Voilà. Quatrième à égalité de 19 points avec Falem. Et à deux longueurs seulement de Kiko FC, leader de la poule B, l'USI se prépare à recevoir sur ses installations Royal FC, deuxième avec 20 points pour le compte de la 12e journée dimanche prochain. Dans cette poule B, les prétendants à la montée se tiennent dans un mouchoir de poche. Kiko FC est en tête avec 21 points. Deuxième Royal FC, 20 points. AS Tema-Bokin est troisième avec 20 points. L'USI est quatrième avec 19 points. Égalité de points avec Falem, cinquième dans la poule A. C'est Salitas qui caracole en tête avec 21 points et un match en retard. Et comme tous les vendredis, la rubrique « C'est au programme », c'est avec Lassina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, avant de parler du programme de la première division, vous venez de voir cette journée qui s'est disputée avec fortunes diverses. Oui, des fortunes diverses. Je pense que le club le plus heureux pour cette journée, Jérôme, c'est le Rail Club du Kadougou. Sans avoir joué, et le Raïmo FC a fait le boulot à sa place. Vous savez que ce choc à Bobo du Lasso entre le RCB et le Raïmo FC, hein, pour les observateurs, devait tourner logiquement à l'avantage des Tigres du Kadougou. Mais comme l'a dit Jonas Aponer et Kabore, les Tigres étaient en papier donc au stade Wobi de Bobo du Lasso. Et résultat des courses, sans avoir joué, le RCK est toujours caracole. Deux matchs en retard. La SCB aussi qui n'a pas joué hein, lors de cette 11e journée est tranquille aussi à sa deuxième place. C'est véritablement le RCB qui a fait la plus mauvaise opération de cette 11e journée. Bien sûr, on ne va pas revenir aussi sur ce. J'ai vu Jérôme tout à l'heure ce match AS Police Santos. Difficile pour le portier Doubaré. Deux offrandes comme ça aux policiers qui n'en avaient pas besoin. Les policiers déjà sont rentrés tambour battant dans cette partie et avaient les armes pour gagner. Écoutez, on a facilité la tâche à ces policiers-là avec un portier du Santos qui véritablement était hors de son match. Alors, Lassina Sawadogo, le BPS se porte très mal. Vous savez, tout à l'heure, on a montré les images de Armand Bassolet. Armand Bassolet, l'ancien entraîneur du BPS, qui se trouve du côté de l'USI. On lui fait d'ailleurs un coucou parce que l'année dernière, il a porté du bout des bras cette équipe du Bulumpuko Football Club. Cette année, c'est véritablement la descente aux enfers, Jérôme. On ne comprend rien. Tous, on avait un petit pincement au cœur parce qu'on souhaitait voir cette équipe-là rester en première division. Ce n'est pas encore complètement fini, mais ça en prend le chemin. Le BPS, Mouéran l'a dit, le BPS sans président. Et depuis ce match face à la Soyenga, désormais sans entraîneur. Je pense à tous mes amis de Kudougou, ces supporters de Kudougou qui sont toujours friands, qui viennent toujours au stade, qui véritablement doivent souffrir le martyr. Vous l'avez très bien dit, on ne comprend rien. Victorien Marienne sera demain du côté de Kudougou pour essayer justement de comprendre les raisons cette descente aux enfers. Ouais. On va dire ça comme ça. Alors, donc, rapidement, Lassina Sawadogo, le programme de ce week-end. Oui, le programme de première division. On va commencer par ce match encore, le BPS. Cette fois-ci, le BPS va recevoir du côté du stade Batibo-Balibi. On avait promis le stade municipal pour le mois de janvier, le gazon synthétique, mais jusqu'à présent, en février, le gazon du stade municipal de Kudougou n'est pas encore prêt. Le BPS, donc, aura fort à faire, Jérôme, face au Raïmo FC. Vous savez, le Raïmo FC, qui vient donc d'engranger 3 points précieux face au RCB. De Yacouba Koulibaly. Voilà, qui se déplace, le Raïmo qui se déplace donc du côté de Kudougou pour cette 12e journée. À quelle sauce sera mangé les grenouilles bleues de Kudougou? That is the question, comme le dirait quelqu'un. 15h30, Stade Batibo-Balibi de Kudougou, BPS Raïmo. Et puis à Ouagadougou, Jérôme, on a deux matchs le samedi. Le premier match, l'Union sportive des forces armées de Mourinho sera face à l'Union sportive de la Comoé au stade du 4 août sur le coup de 15h30. Et puis à 17h30, l'étoile filante de Ouagadougou qui est revenue avec un point de Saponé sera face à Kozaf aussi qui est revenu avec un point de Bobo du Lasso en deuxième partie de cette 12e journée du côté du stade du 4 août, 17h30, EFO COSAF. À Bobo du Lasso, on aura l'association sportive des fonctionnaires de Bobo du Lasso de Oscar Barreau qui sera face à Souleymane Ki de l'AGEB pour un choc aussi entre deux équipes de Bobo du Lasso. Vous savez que la SFB, deuxième au classement, développe aujourd'hui un football assez attrayant. Et puis l'AGEB, ses académiciens, les jeunes espoirs de Bobo du Lasso. 15h30 donc au stade Wobi, dimanche, Jérôme. On a deux oppositions.
La première opposition mettra aux prises le Majestic FC au Santos. Le Santos FC qui a broyé du noir cette semaine avec son portier Doubaré sera face au Majestic de notre très bouillant Adama Sampo à 15h30 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo et puis au stade Wobi. Le RCB va tenter de se reprendre face à Seydou Zerbo Kroll et l'Asfa Yenega, hein, qui a pris un point, trois points précieux face au BPS de Koudougou. Donc, en semaine, RCB, Asfa Yenega, dimanche 15h30, stade Wobi de Bobo Djoulasso. Voilà, donc c'est ce qui est pour la 12e journée, le RCK et la SONABED donc étant en déplacement. Justement, ces matchs seront reprogrammé. Voilà, je vous disais en titre, nos représentants africains sont en déplacement pour les matchs retour des préliminaires des coupes africaines. La SONABEL doit faire la différence à Abidjan. Les électriciens sont en Côte d'Ivoire depuis hier. Avec eux, nos envoyés spéciaux Ibrahima Sombier et Christelle Dabré. Et nous retrouvons Christelle en direct d'Abidjan. Christelle, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bonsoir, Jérôme Kenderbeogo. Alors, vous êtes avec l'AS SONABEL. L'AS SONABEL, vous nous avez dit quelques instants avant que l'AS SONABEL a pris contact avec la pelouse du Robert Champroux. C'est effectivement ça, Jérôme Kenderbeogo. En tout cas, à 15h30, les hommes de Moussa Sanogo Falcao étaient sur la pelouse du stade Robert Champroux où devra donc se disputer match retour des préliminaires de la Coupe CAF contre le Sporting Club de Gagnoua. Ça sera ce samedi à partir de 15h30. Alors, samedi à partir de 15h30 à 24h, à l'issue de cette prise de contact, vous avez pu voir l'effectif de Falcao? Oui, l'effectif est au complet. C'est Valentin seul qui n'a pas pu faire le déplacement, Valentin Zugrana, parce que bon, il ne se sent pas bien. C'est ce qui nous a fait savoir Falcao. Mais ce qui est sûr, il a dit que c'est l'ossature. L'ossature va rester parce que bon, il y a eu quelques réaménagements. Ils disent qu'ils vont mieux jouer maintenant, surtout au niveau de l'attaque. Alors, on a insisté là-dessus parce qu'au match aller, ils ont pêché au niveau de la finition. Mais Moussa Falcao nous a rassuré en tout cas qu'ils ont travaillé ainsi que les joueurs. Alors, ils ont travaillé sans doute devant les buts. Et quel est l'état d'esprit qui règne ce soir au Champroux? En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que depuis ma voix, les joueurs sont déterminés à passer ce premier tour. Ce tour préliminaire du moins. Allez-y. En tout cas, et puis il y a le président de la section foot de l'AS SONABEL, Issa Traoré, qui nous a dit qu'il y a des primes qui sont prévues à cet effet. Et lui-même, en tant que président, étant là-bas, si la qualification est assurée, en tout cas, il va faire un tour pour les garçons. Alors Christelle, vous êtes à Abidjan, on imagine, hein, autour du Sporting Club de Gagnoua, qu'est-ce qui se dit autour du Sporting Club de Gagnoua? Est-ce que la presse parle un peu de ce match retour entre l'équipe de Gagnoua et l'AS SONABEL? Nous avons fait un peu le tour, un petit sondage, revue de presse, comme on dit dans notre jargon, mais véritablement, on ne sent pas que Abidjan ici, les gens soient emballés par cette rencontre, parce qu'on n'a même pas, effleuré le sujet même. Ouais. Sur les principaux journaux que j'ai parcourus ce matin, on n'en parle pas, c'est comme si, bon, c'est un match comme ça qui compte pour du beurre, quoi. D'accord. Et Christelle Dabré, vous avez pu voir, oui, Aristide Bansé? Bon, on est en train de partir comme ça parce que c'est l'invitation de Aristide Bansé, on va le voir, ne vous inquiétez pas. Alors, vous passez notre bonsoir à Aristide Bansé. Merci beaucoup. Et bon séjour du côté d'Abidjan et revenez-nous avec la victoire. On espère bien, on croise les doigts pour. Merci. Voilà, Lassina Sawadogo, il faut beaucoup travailler devant les buts. C'est entre l'aller et le retour. C'est l'équation, c'est l'équation qu'il faut résoudre impérativement demain au stade de Robert Champroux, Jérôme. À l'aller, on rappelle aux téléspectateurs que l'AS SONABEL et le Sporting Club sont séparés sur le score de 0 but partout. Les compteurs sont remis à zéro. Alors, quel sera le comportement des garçons de Falcao? Moi, je pense que Falcao devrait, dans un premier temps, surtout pendant les premières 45 minutes, tenter de bloquer les velléités offensives de cette équipe de Gagnoua. Mais important, à partir du moment où on a fait 0-0 match aller, Jérôme, ce n'est pas véritable
véritablement la solution que de fermer derrière. Non, il faut pouvoir jouer son football, être vigilant pour ne pas que les attaquants puissent passer dans le dos de la défense. Un but mettrait le Sporting en difficulté. Oui, parce que même si le Sporting marque en premier, que l'AS Onabel égalise, l'AS Onabel est qualifié. Il faut impérativement pour l'AS Onabel pouvoir marquer ce but à l'extérieur qui va véritablement les mettre à l'abri. Mais si on doit aller à Abidjan et vouloir jouer derrière alors qu'on a fait 0-0 match aller, ce serait difficile pour l'AS Onabel qui s'est créé beaucoup d'occasions au match aller, qui a touché la barre transversale. L'équipe de Gagnon, comme Christelle a dit, ce n'est pas un match en balle aujourd'hui les Ivoiriens, c'est une occasion pour l'AS Onabel de pouvoir surfer sur ce manque d'engouement sur ce match du côté d'Abidjan pour peut-être réussir un grand coup là-bas et puis nous revenir avec la qualification. Alors, travailler devant les buts, on a un garçon comme Bachirou Compaoré quand même. Est-ce que l'AS Onabel, vous pensez que l'AS Onabel n'a pas les hommes qu'il faut pour pouvoir faire la différence Vous savez, c'est difficile parce qu'on ne peut pas créer un buteur sur un match, Jérôme. On connaît l'AS Onabel ici dans le championnat. C'est une équipe qui marque très peu. C'est d'ailleurs un reproche qu'on fait à Moussa Sanogo Falcao. On va surtout souhaiter qu'ils aient la baraka. On va surtout souhaiter qu'ils aient la baraka parce que sur un match, on ne peut pas inventer un buteur sur un match. Mais on peut surtout souhaiter que les ballons qui iront vers le but du Sporting Club de Gagnoua puissent donc aller d'abord qu'ils soient cadrés. Et que bien sûr que ces ballons-là puissent enfin franchir la ligne pour pouvoir permettre à l'AS Onabel de marquer un ou deux buts. Ce serait très important. Sinon, on sait que d'habitude, depuis le début de ce championnat, l'AS Onabel n'est pas cette équipe-là qui sait planter des buts à ses adversaires et qui peut se mettre à l'abri très rapidement. Mais un but, ce n'est pas trop demandé à ses électriciens à Abidjan. Alors, on espère bien que l'AS Sonabel pourra tirer son épingle du jeu. Au même moment, le Rai Club du Kadiogo est à Brazzaville pour y affronter les Diables Noirs. Notre envoyé spécial Daba Kini y est. Kini, bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, vous êtes arrivé à Brazzaville au petit matin aujourd'hui. Oui, petit matin, il faut le dire, dans les environs de 1h, 2h. Et puis, très rapidement, je pense que le Rai Club du Kadiogo avait déjà envoyé une mission de précurseur ici à Brazzaville pour faciliter, j'allais dire, la sortie donc, des joueurs burkinabés. Et pour qu'ils puissent retrouver très rapidement leur hôtel. Mais enfin, il y a eu quelques petits problèmes à l'arrivée parce que il y a les passeports des deux Ghanéens et autres qui ont été retenus, mais très rapidement, ça a pu se résoudre. Alors, quel a été le problème de cette journée, finalement? Alors, problème de cette journée, les faucons et de la capitale, elles sont ont été logées très rapidement du côté donc de l'hôtel Concorde et du complexe sportif de Kinkele, comme c'est très bien, oui. C'est des lieux aujourd'hui abandonnés. En tout cas, il n'y a plus personne, mais enfin, quelques sportifs. On a vu des équipes qui y étaient, mais tranquilles, je pense que tout se passe bien et dans l'après-midi, c'était une séance de déclassage vers la dernière minute. Il semble que le stade Massamba Déba et qui devrait abriter la rencontre donc d'un match officiel également. Vous savez que au niveau donc du Congo, ils ont deux équipes au niveau de la Ligue et des champions d'Afrique et deux équipes en coupe de la Confédération. Donc demain, il y a un match officiel à Massamba Déba et donc c'est impossible pour les Burkinabés de prendre contact avec la pelouse du stade Massamba Déba. Et donc, mais finalement, ça a été pour cet après-midi. Donc très rapidement, les joueurs sont allés sur le terrain, mais j'avoue que tout s'est bien passé. Alors, est-ce que les garçons doivent être très confiants, eux qui ont gagné le match aller au stade du Kadou 3-0? Oui, confiants, il faut le dire, quand sportivement, et j'allais dire même techniquement, vous avez dominé l'équipe 3-0,
et on dit mathématiquement, sur le papier, vous êtes et peut-être les plus avantagés, mais c'est le match retour qui doit décider, c'est pas très très sûr, ça peut se changer à tout moment. On a vu un peu un club du Burkina, hein, je ne vais pas donner les noms, et c'était du côté donc comment on appelle ce pays, de Maputo au Zimbabwe, non pas Maputo, Harare au Zimbabwe, où on avait été éliminé après avoir gagné 2-0 à l'aller, et le club s'est fait battre, donc j'allais dire 3-0 au retour. Ce jour-là, c'était complètement la déception, oui. Alors, avec le décalage horaire, le match, c'est à quelle heure? Alors, le match, ça va être à 15h30 heure locale, et donc 14h30 heure du Burkina. En tout cas, tout le monde est là, les enfants sont confiants, ils ont le moral, le président même central du Rail Club du Côte d'Ivoire a fait le déplacement. Et je me dis, c'est pour donc soutenir en tout cas les garçons. Vous savez que ce club-là rêve en tout cas de passer ce premier tour, et c'est très important en tout cas pour un club comme le Rail, et qui domine en tout cas ces derniers temps notre championnat. Merci à vous Dabakini, et passez notre bonsoir à Moussa Ouédraogo, votre caméraman sur place. Il a apporté, vous dit également bonsoir. Voilà, Lassina Sawadogo, on peut dire que ça sent la qualif. Oui, ça va, ça se passe bien. J'aurais voulu que vous parliez à Kini un peu en lingala. Vous savez que vous avez passé. Ah oui, j'aurais dû le saluer. Brazzaville. Botenayo. Botenayo, ça ne ferait pas de mal à Daba Kini, qu'on appelle affectueusement Orlis Orlis Mabélé. Voilà, je suis. Un grand nom. Oui, c'est vrai, Jérôme. 3-0 à l'aller. Au plan comptable, c'est très important. On l'a dit lundi dernier. Maintenant, comme Kini l'a dit, c'est un match de football. Bon, pour les supporters du Barça, on a vu le Barça prendre 4-0 face à. Pour Paris Saint-Germain. Je n'aime pas que vous rappelez tout cela. Tout à fait, c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile de se rappeler et cette Bérésina hein, du côté du Parc des Princes. Mais écoutez, c'est tout dire un peu sur le fait que l'ESC doit se concentrer. C'est un match de Coupe d'Afrique. Ils sont en train de rentrer hein, lentement mais sûrement dans cette compétition assez difficile. Ils ont l'occasion, hein, après avoir mené 3-0, de ne pas aller, à mon sens, vouloir tout de suite verrouiller. Il faut peut-être, avec la supériorité du Rail Club du Kadogo, essayer de jouer, de fermer les espaces et puis de voir si cette équipe-là, véritablement, au-delà de ce qui a été dit par les entraîneurs et les capitaines des Dabs Noirs, si véritablement, du côté de Sama Samar Deba, cette équipe est capable de bousculer et donc le Rail Club du Kadogo, ça m'étonnerait, mais c'est encore du football. Et moi, j'espère surtout que le SCK va utiliser cette rencontre-là pour monter encore le niveau de son équipe. Parce qu'à Ouagadougou, je l'ai dit, Jérôme, on a gagné, c'est vrai, mais je n'ai pas vu cette grande équipe du RCK. Ils auront l'occasion dimanche de montrer qui ils ont véritablement l'armature donc, pour titiller cette grande, grosse cylindrée du football africain. Ouais. D'accord, et on va parler de la Super Coupe d'Afrique. Oui, c'est vrai, on a parlé tout à l'heure de la Coupe CAF, on a parlé aussi de la Ligue des Champions. Alors, rappeler aux téléspectateurs que la Super Coupe qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions, cette année qui a été les Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, et sera face au vainqueur de la Coupe CAF, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Le rendez-vous, Jérôme, c'est pour demain, sur le coup de 16h. Au stade, je vous rappelle juste le stade, c'est le stade Lucas Magipé Stadium de Pretoria, c'est en Afrique du Sud. Et ce match sera en direct sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina. Et justement, Lassina Sawadogo, vous serez là. Je serai là avec un invité pour animer donc le plateau d'avant, de la mi-temps et de la fin de la partie. Vous savez, Jérôme, c'est une rencontre assez explosive. Le tout-puissant Mazembe est habitué à remporter la Ligue des Champions. Cette année a été reversée en Coupe CAF, mais et aller jusqu'au bout. Aller remporter donc la Coupe CAF. Et on se rappelle d'un certain Chelsea. Bien sûr, hein. Bien sûr. Les Mamelodi Sundowns hein, qui ont été repêchés aussi hein, dans cette Ligue africaine des Champions après donc un problème sur son adversaire d'avant. Et puis comme ça, ils arrivent, ils balaient tout le monde, ils vont remporter la Coupe. Après, les Orlando Pirates, les Mamelodi Sundowns sont la deuxième équipe sud-africaine à accrocher donc la Ligue africaine des champions. Le choc demain sur le coup de 16h sur les antennes de la radio diffusion télévision du Burkina. 16h, prise d'antenne 4,
15h50 avec notre invité pour parler de cette affiche 100% africaine. Et on va terminer avec cet autre programme. Cet autre programme, il y a deux éléments, cet autre programme encore qu'on va ajouter aux téléspectateurs. Jérôme, c'est d'abord demain à la salle Mathias Sanou, le comité du national olympique des sports burkinabé va enfin nous dévoiler son enquête réalisée sur cet épineux problème dans le monde du karaté. Vous le savez, pendant longtemps, le karaté burkinabé est dans des problèmes qui n'en finissent plus. La JSB, le CNOSB, le ministère des Sports, beaucoup de structures ont tenté depuis 2014, de colmater les brèches. Vous connaissez bien, vous savez bien de quoi je parle. Donc demain, à partir de 10h, au stade Mathias, à la salle Mathias Sanou du stade du 4 août, le CNOSB va dévoiler un peu cette enquête réalisée sur les clubs, parce que c'est le problème sans doute vient de cette floraison de clubs sans queue ni tête entre griffes. On verra un peu clair après donc cette rencontre de demain, 10h à la salle Mathias Sanou. On va terminer avec un rendez-vous de coup de goût. C'est vrai, il y a le BPS qui joue à coup de goût, Jérôme, mais il y a un autre rendez-vous de coup de goût qui est très important. Ce rendez-vous-là, il est donné par Ablassé Yamego, le président de l'Union nationale des supporters des étalons. Vous savez, ils sont revenus de Libreville avec beaucoup de trophées des supporters. Ils sont revenus Libreville, Franceville, Port-Gentil. Voilà, merci de compléter cela. Le ministère des Sports a fait le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est normal et naturel que l'Union nationale des supporters des étalons, qui était aussi de cette expédition-là, fasse aussi son bilan. Et le bilan pour l'UNSE aura lieu du côté de Kudugu demain, samedi. Tous les journalistes sont conviés. Vous aurez les informations sur ce même plateau lundi avec Jérôme Ntiendrebo qui sera de la partie. Et puis on espère qu'on aura aussi un bilan assez bien fait de Ablassé Yamego et de toute son équipe qui ont été récompensés et salués pour leur travail, pour leur ardeur de travail du côté de Libreville. Oui, ils sont déjà à Kudou et merci à vous, Lassine Sawadou, d'être passé. Et sur ce plateau, demain, 16h. Et puis sur les stades du Burkina pour la 12e journée du Faso. Foot. En tout cas, un week-end très sportif. Lassina le disait, le ministère des Sports a fait son bilan mardi dernier. Le ministère a convié la presse pour dresser le bilan de la participation des étalons à la CAN Gabon 2017. Plus de détails avec Ibrahima Sombier et Mahamadi Wena. Les étalons ont fait sensation à la 39e Coupe d'Afrique des Nations jouée au Gabon. Une belle chevauchée qui a permis aux 11 nationaux de terminer au pied du podium avec à la clé 3 victoires et 3 matchs nuls en 6 rencontres. Au-delà de la performance des étalons, le ministre des Sports et des Loisirs retient l'état d'esprit affiché par nos ambassadeurs à cette biennale du football africain. Franchement, nos étalons ont été brillants. Franchement, il faut saluer leur détermination, leur sens du professionnalisme. Leur intégrité aussi, en aucun moment ils m'ont poursuivi pour demander quoi que ce soit en matière de primes. Soyez rassurés, ils ne m'ont jamais exigé la prime, quoi que ce soit. Une telle chevauchée à un coup, ce sont plus de 2 milliards de francs CFA qui sont sortis du budget de l'État burkinabé. En récapitulant, dépenses effectives au Maroc plus dépenses effectives au Gabon, nous avons un montant total de dépenses effectuées qui ressort à 2 599 720 535. Ces dépenses se résument entre autres aux frais de préparation des étalons à Marrakech, aux primes de match et de qualification des étalons et aux frais de mission des 150 autres membres de la délégation. Autre point abordé, ce sont les soupçons de surfacturation qui pèsent sur le chef de mission. Pour l'intéresser, c'est plus une question d'incompréhension. Le fait de les annoncer que chacun, l'hébergement qu'on prévoyait pour chacun était à hauteur de 110 000, les gens pensaient que la chambre faisait 110 000. Les factures étaient déjà là. La plus basse et le plus bas prix, c'était 45 000. Et le nouveau standing qu'il y avait derrière, c'était 65 000. Ça n'a pas dépassé au-delà de là. Maintenant, le propriétaire de l'hôtel avait un autre prix spécial Cannes qu'il a déposé. Et le plus bas prix, c'était 80 000 francs. Mais il a dit que ça ne s'appliquait pas à nous parce qu'on est venu bien avant que lui ne puisse établir la nouvelle facture. Espérons, comme le souhaite le ministre des Sports et des Loisirs, qu'un rapport bien détaillé permettra de tirer leçon de ces différentes déconvenues.
pour plus d'efficience dans la gestion des grandes sorties à l'international. Finale Super Coupe CAF, Mamelodi Sundowns contre TP Mazembe, c'est demain à 16h sur les antennes de la RTB en direct. Avant, donc, l'Asna Sawadogo sera avec vous pour un plateau d'animation. Merci à Pierre Komdago et à son équipe de réalisation. Ruth Bini Ouattara vous retrouve tout à l'heure pour le deuxième journal de la soirée. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.